De là où l'on c'est du vent offshore ce matin sur les canaux. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Un dimanche qui commence dans la fraîcheur. Il fait moins 1 degré. Attention, ça a gelé, mais moins que les précédentes matinées. Mais ça a quand même gelé. Pas en bord de plage. Température de l'eau à 12-13 degrés. Ciel qui est dégagé au-dessus de nos têtes. Variable du côté sud. Une marée qui est actuellement en train de finir de descendre. Le plein bas est à 8h20 avec des coefficients diaboliques de 66. Et sur cette fin du descendant, le vent est déjà bien présent. Il pique, il pince. Il est nord-est, il est modéré à soutenu, 3 à 4 beaufort, le plan d'eau est ridé, clapot au bord, clapot quelques moutons sur le large, et on a une petite houle courte de 6 secondes de période orientée nord-nord-ouest à nord-ouest, multipliquée à la hausse, 10 à 20 cm en déferlement régulier, 30 à 40 cm au série, c'est ce qu'il y a la plupart du temps. Et de temps à autre, il y a un petit 50 cm. Ce sont de petites vagues éclatées par le vent, molles, toutes fraîches. Vraiment surfable pour les débutants, ultra motivés, bien équipés. Mais sinon, vous passerez votre tour parce que c'est carrément pas valable, Joe. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va légèrement baisser à la mi-journée, baisser un peu plus cet après-midi. La bouée Arcachon-Gascogne n'est pas à prendre en compte. Elle enregistre de la houle de nord-est à 4,7 m. Le vent, il va rester offshore. Prévision à 13h, moins de 50 à 50 cm. Ou nord-nord-ouest à nord-ouest, 6 secondes de période, vent de nord-est à 4 beaufort, et à 17h, moins de 50 cm, ou nord-nord-ouest à nord-ouest, 6 secondes de période, vent de nord-nord-est, 4 à 5 beaufort. Le meilleur créneau, il est en première partie de journée, et il sera pas génial. Prochain point, 8h30.